Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler PAL, on va parler challenge. On va faire une PAL pour le Chinese Spring Challenge, un challenge organisé par Floris alias Flowfly sur les réseaux sociaux. C'est pas facile à dire. Je vous mettrai bien entendu son Instagram, son YouTube et le lien vers sa vidéo présentation en barre d'infos. Le challenge est très simple, il se déroule sur 3 mois de mars à mai. Et dedans, il y a plusieurs menus, plusieurs catégories à remplir. Tout est sous le thème du printemps, bien entendu. C'est très coloré, très printanier. Et personnellement, j'ai adoré. J'ai été tout de suite conquis par ce petit challenge. J'ai quand même un petit peu hésité à le faire parce que j'ai un petit peu du mal à suivre des pales quand elles sont trop loin prévues dans le temps. Donc sur 3 mois, c'est peut-être un peu long pour moi. Mais je me suis dit, au pire, si je respecte pas... C'est pas dramatique, je vais pas en mourir et vous non plus, donc tout va bien. On va quand même pouvoir essayer de participer à ce challenge et de le mener au mieux. Le premier menu, c'est l'éveil du printemps. Et la première catégorie, c'est quitter le nid avec un livre qui parle d'apprentissage, un coming of age comme on dit en anglais. Et pour ça, j'ai trouvé le livre idéal dans ma palle. Il s'agit de Winger de Andrew Smith. Et je sais pas trop de quoi ça parle exactement, ça m'a été très chaudement recommandé par Elsa, d'ailleurs c'est son livre qui a été annoté, donc vraiment j'ai hâte de le lire rien que pour cet aspect-ci. En tout cas, il rentre très fortement dans ce thème, puisque sur la quatrième de couverture, c'est marqué « Hilarious and Heartbreaking, Winger is a coming-of-age story for the 21st century ». C'est écrit sur la couverture, c'est un coming-of-age, ça rentre totalement dans cette catégorie, donc j'ai hâte de le lire, je crois que ça va être assez humoristique, et en même temps, je sais pas trop, on verra, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Ensuite, nous avons la catégorie jeune pousse avec un livre court. Et là, j'ai décidé d'y glisser l'impératrice du sel et de la fortune de Nguy Vo. Je suis vraiment désolée parce que je suis quasiment sûre de l'avoir très mal prononcé. Je ne sais pas du tout comment on le dit et vraiment désolée. En tout cas, c'est un livre qui me fait très envie, qui m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition La Talente. Au niveau de l'histoire, on est plutôt sur quelque chose sous format conte, il me semble, mais... De quoi ça parle exactement, là encore, j'en sais pas grand chose. Si vous ne me connaissez pas déjà, vous allez très vite voir que je suis pas trop friande de trop savoir de choses sur mes lectures. J'aime bien avoir quelques mots-clés. Là, le côté conte et légende m'intriguait plutôt pas mal. Et j'ai entendu aussi beaucoup de personnes le comparer à Becky Chambers. Becky Chambers étant mon autrice favorite, forcément ça m'intrigue et j'ai envie d'en savoir plus, donc voilà, je me le glisse dans cette palle. Je le lirai peut-être un petit peu avant puisque j'aimerais bien le lire ce week-end ou le commencer lundi, donc avant le 1er mars. Mais clairement, je pense pas que j'arriverai à lire toute la palle en 3 mois, donc si je prends un petit peu d'avance, je pense qu'on ne m'en tiendra pas trop rigueur. Nous avons ensuite la catégorie « Fais ce qu'il te plaît » pour parler de différentes sexualités. Et là, j'ai décidé de sortir « The Seven Husbands of Evelyn Hugo ». Je pense qu'il rentre dans cette catégorie parce qu'il me semble qu'il y a une romance saphique dedans. Dites-moi si je me trompe, parce que si c'est le cas, je mettrai un autre livre. J'ai plus envie de m'orienter vers une romance un petit peu LGBT. Alors je pense qu'il n'y a pas que ça dedans, mais il y en a au moins une. Je vous présente pas plus que ça ce livre parce que je pense que vu... comment on en parle sur les réseaux sociaux, vous devez déjà en avoir entendu parler vous-même et savoir à peu près de quoi il s'agit, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sinon, si ça rentre dans cette catégorie, j'ai vraiment hâte de le lire, surtout qu'il y a Daisy Jones and the Six qui sort en série très prochainement, donc je suis sûre que ça va me motiver à lire du Taylor Jenkins Reid. La dernière catégorie de ce menu éveil du printemps, c'est un bouquet de tulipes pour une couverture colorée. Et là, j'ai choisi Anne de Redmond, je pense que c'est quand même assez coloré, en tout cas très dans les tons rose-violet et très printanier. Donc... ça rentre parfaitement dans ce challenge. Je pense qu'il y a vraiment la vibe de ce Chinese Spring Challenge dans cette couverture. Et en plus, ça sera l'occasion pour moi de sortir un livre de cette saga qui traîne depuis bien trop longtemps dans ma palle, puisque ça fait plus d'un an que j'ai pas lu un Anne de Green Gables. Donc il serait temps que je lise ce tome 3. Comme pour les autres tomes, ici on va retrouver Anne, on va retrouver ses péripéties, ce personnage vraiment attachant que, voilà, que j'aime trop suivre et qui me donne un petit peu cette impression de cocon. Voilà, quand je lis, j'ai l'impression d'être enroulée dans ma couverture rien qu'avec une petite dose de bonheur. Donc vraiment, j'ai hâte de le lire.
Maintenant que le premier menu est fini, on peut passer au second qui est printemps changeant. Et la première catégorie, c'est giboulé de mars avec de la pluie, des nuages, de l'eau, enfin tout ce qui se réfère à ça. J'ai eu pas mal de difficultés à trouver un livre qui rentre dedans, mais au final j'en ai quand même trouvé. Je ne pense pas qu'on va être dans une atmosphère pluvieuse, mais en tout cas il va y avoir de l'eau puisque j'ai choisi le livre Fille de la mer de Marilyn Brack. Là encore, je le prononce sûrement très mal et j'en suis désolée. Dans cette histoire, on va suivre une femme de Corée en 1943 qui est plongeuse en mer. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai entendu beaucoup de très bons retours sur ce livre, donc forcément ça m'intrigue. J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de savoir pourquoi il y a tant d'engouement à travers cette histoire et voilà. J'ai très envie de le lire, mais ça je le dis pour tous les livres, sinon il serait pas là, voilà. Sinon je les choisirais pas si j'avais pas envie de les lire. Bref, un livre de plus dans cette taille. Ensuite, nous avons la catégorie « Regarder les cerisiers fleurir » et ici on doit choisir un roman choral ou un roman avec de l'amitié dedans. Et j'ai choisi plutôt le côté amitié avec One Girl in All the World de Kendra Black. Je l'ai pas encore en ma possession, mais ça ne saurait tarder. Ici, on est sur la suite de Buffy, le tome 2 de cette saga qui continue les péripéties de Buffy contre les vampires, qui les continue bien des années après en tout cas, et on va suivre de nouveaux personnages. Ça rentre parfaitement dans le thème puisque ça reprend les codes de Buffy, et comme dans Buffy, il y a un groupe d'amis assez soudés, donc je pense que je peux le glisser ici sans problème. J'ai hâte de découvrir ce livre, de replonger dans cette nostalgie de Buffy, un univers que j'aime beaucoup. Donc normalement ce sera un livre qui sera lu très prochainement. On continue avec la catégorie ménage de printemps et là on doit sortir un livre de notre pal, une relique plus précisément. Et pour la relique, c'est pas le plus vieux livre de ma pal, c'est pas dans les livres les plus vieux de ma pal, enfin je pense pas, peut-être. En tout cas il a quand même déjà 2 ans, donc on peut dire que c'est une relique. Et comme je voulais le lire le mois prochain pour le Sororité Challenge, je l'ai glissé là aussi, ça rentre parfaitement dans le thème. Il s'agit de La Louve Cathare de Mireille Kamel. Là on est plutôt sur de l'historique avec une histoire qui se passe dans les années 1226 exactement à Paris. J'en sais pas beaucoup plus, mais à l'époque Petite Lectrice en avait parlé plutôt bien et c'est ce qui m'avait fait craquer pour ce récit que j'ai hâte de découvrir. Et voilà, je pense que ça va changer parce que j'ai pas trop l'habitude de lire de romans historiques, enfin j'en lis mais j'en lis très peu, ça va me changer de la SFFF. D'ailleurs je pense que on voit que c'est une palle quand même assez variée, il y a un petit peu de tout, donc ça fait plaisir. Moi qui aime bien changer de genre régulièrement, je pense que je vais me faire plaisir avec ce petit challenge. Pour la dernière catégorie du menu numéro 2, il s'agit de Equinox de printemps et là il faut lire un pavé. Alors un pavé, chacun le définit comme il en a envie. Moi j'ai un livre qui rentre très bien dedans puisque j'étais censée le lire ce mois-ci mais je l'ai décalé au mois de mars, puisque je le lis finalement en LC. Il s'agit de Passage de Connie Willis. On parle ici de mort, d'expérience de mort imminente, voilà je cherchais mes mots, et ça rentre totalement dans cette catégorie pavé, puisqu'il y a exactement 925 pages. Voilà, donc on peut dire que c'est un bon gros pavé, sans problème. On peut donc maintenant passer au prochain menu qui est Printemps révolté et la première catégorie c'est Printemps arabe. Il faut lire un livre écrit par un auteur qui se situe dans un des pays qui a vécu le printemps arabe et pour ma part j'ai décidé de lire un livre marocain. J'ai pas encore ce livre en ma possession, je ne sais pas encore de quel auteur ou autrice marocaine je vais lire le livre, mais je choisis ce pays en particulier parce que début mai je pars au Maroc, donc ça sera l'occasion idéale pour lire un livre de la littérature du pays. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, de découvrir quel titre je vais lire, mais pour l'instant c'est encore le suspense. De toute façon il y aura un vlog qui sera dédié je pense, donc vous pourrez donc découvrir de quel livre il s'agit à ce moment là ou peut-être avant si je me décide avant et que je le dis sur les réseaux sociaux. Le menu suivant, il s'agit de L'œuf ou le lapin et là il faut lire un livre parlant de cause animale et pour ça j'ai les Hugo Clément, j'en ai 2 qui rentrent très bien dans cette catégorie. Je sais pas encore lequel je vais lire, par lequel je vais commencer au final de découvrir Hugo Clément dans son format livre, puisque c'est une personne que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je sais pas si je vais commencer par comment j'ai arrêté de manger de la viande, de manger les animaux, pardon, ou les lapins ne mangent pas des carottes. Voilà,
un des deux, je sais pas encore lequel, mais ça sera l'un des deux. Ensuite, nous avons sous les pavés la plage, et là, il faut lire un livre de non-fiction, et pour ça, j'ai choisi À l'aube de nouveaux horizons de Nathalie Cabrol. Nathalie Cabrol étant la directrice de la SETI, le centre de recherche d'intelligence extraterrestre, donc Search of Extraterrestrial Intelligence, en anglais, d'où le nom SETI. Bref, c'est elle qui va nous parler dans ce livre de tout ce qui a trait à cet aspect-là. Elle va nous parler un petit peu des recherches qui a lieu, etc., de ce qui est recherché exactement. Je pense que ça peut être super intéressant. En plus, en ce moment, je suis en train de lire un livre avec la troupe Premier Contact. Donc, vraiment avoir cet aspect sur ce qui se fait réellement aujourd'hui au niveau de la recherche, etc., ça va faire un contraste assez intéressant et au moins, ça va approfondir mes connaissances là-dessus. Vraiment, ça m'intrigue fortement, surtout que là, c'est vraiment la directrice de ce centre-là, donc ça va pas être des élucubrations ou je ne sais quoi, ça va vraiment être des faits scientifiques avérés qui vont être discutés dans ce récit. Ça va être vraiment voilà, des réflexions qui sont faites réellement aujourd'hui par les scientifiques. Donc voilà, un livre qui, je pense, peut être super intéressant et j'ai hâte de le lire. Je me répète encore. On passe maintenant à la dernière catégorie du menu printemps révolté, et là il s'agit des oiseaux migrateurs, et donc on va parler de migration, d'exil dans un livre. C'est une catégorie qui m'a posé quand même pas mal de soucis parce que j'ai pas trop ça dans ma palle actuellement et j'ai pas forcément envie d'acheter quoi que ce soit en plus de ce que j'avais déjà prévu d'acheter, donc j'ai essayé vraiment de caler soit des livres de ma page, soit des livres que je savais que j'allais acheter prochainement qui sont déjà prévus. Mais j'ai quand même trouvé un livre qui, je pense, peut faire l'affaire. Il s'agit d'Archives de l'Exode de Becky Chambers. Vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi elle nous sort ce livre-là? Déjà, je pense qu'avec le mot Exode dedans, ça peut passer. Et surtout, derrière, c'est marqué « La flotte d'Exode est un trésor vieillissant, témoin de la volonté humaine de disséminer ses enfants et sa culture à travers les étoiles. » Donc je pense qu'il y a un côté migration de la Terre vers l'espace. Voilà. Je pense que ça peut passer, en tout cas c'est celui qui rentre le plus dans cette catégorie que j'ai actuellement dans ma palle, donc on fera avec. On passe maintenant au quatrième et dernier menu de ce Shiny Spring Challenge, et c'est Printemps Verdoyant, le titre de ce menu, avec comme première catégorie le bal des hirondelles, où il faut lire un livre sur la danse ou sur la musique. Malheureusement, le seul et unique livre que j'ai dans ma palle qui correspond à cette catégorie, j'ai pas trop envie de le lire tout de suite, j'ai pas forcément envie de rentrer dans cette saga tout de suite, voilà. Donc comme il me fait pas trop envie pour l'instant, eh bien j'ai pas de livre qui rentre dans cette catégorie. J'en ai un dans ma wishlist qui pourrait très bien rentrer dedans, mais j'avais pas prévu de l'acheter tout de suite, donc on verra. Si jamais j'avance super bien dans cette palle, que j'ai encore du temps et qu'il me reste plus que ce livre-là, cette catégorie-là à valider, eh bien j'achèterai le livre en question, mais je doute que déjà j'arrive à lire tout ça, donc c'est pas grave si j'ai une catégorie qui n'est pas remplie. On verra plus tard comment ça se passe, si jamais je lis un livre de cette catégorie ou pas, et peut-être que par hasard, dans un des livres que je vais lire, eh bien il y aura aussi de la musique et ça validera en même temps cette catégorie. L'avenir nous le dira. Ensuite, nous avons la catégorie Perséphone, Flore et Brigide. J'espère que je le dis bien. Ici, on va plutôt lire un livre soit de contes, de magie ou qui parle de nature. Et pour ma part, j'ai choisi le côté nature avec L'Arbre Monde de Richard Powers. Richard Powers, je l'ai découvert en 2021, fin 2021, avec Sidération, qui est devenu un de mes livres favoris. Donc vraiment, j'ai hâte de découvrir ce livre-là qui va parler d'arbres. Ouais, et de communication entre les arbres, donc on est clairement dans le thème nature. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne sauraient pas quoi mettre dans la catégorie cause animale, Sidération de Richard Powers y rentre parfaitement et il sort en poche le 3 mars. Oui, oui, j'en profite pour faire ma petite propagande parce que c'est un livre voilà, qui m'a beaucoup marqué, que j'adore et qui fait partie clairement de mon top 3 de mes livres préférés, donc voilà, je vous encourage à aller le lire si jamais ça vous intéresse. Bref, pour cette catégorie, j'ai mis L'Arbre Monde, je pense qu'il rentre très bien dans la catégorie nature, et voilà. Ensuite, on doit lire un roadbook ou un livre avec un chemin, une route sur la couverture pour la catégorie bicyclette, et pour ça, j'ai choisi un autre Becky Chambers. Il s'agit de Une prière pour les signes timides, donc A Prayer for the Crown Shy. Moi je l'ai en anglais, mais il sort en français au mois de mars. Peut-être que je le lirai en français, je ne sais pas trop encore. En tout cas,
il y a un petit chemin sur la couverture. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a un petit chemin. Dans le tome 1, il y avait un petit peu ce côté roadbook. Peut-être qu'il y est aussi dans le tome 2, je ne sais pas puisque je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, rien qu'avec le chemin, ça rentre. Avec deux Becky Chambers, je vais être comblée par cette palle. Vraiment, ça va être du pur bonheur que de lire autant de bienveillance, de livres doudous. Vraiment une palle magnifique que je me suis concoctée là. Je m'envoie des propres fleurs, mais vraiment tous les livres me donnent envie. J'espère que je vous aurai donné quelques petites idées. Mais on a encore une catégorie, donc on va passer tout de suite à la catégorie suivante. Et pour la dernière catégorie du dernier menu, on doit lire un livre collector. Que ce soit collector parce que voilà, c'est plus trop édité, ou collector parce que c'est une édition limitée qui vient de sortir ou non. Et bien voilà, on doit choisir un livre collector. Alors au début, j'avais choisi Archives de l'Exode de Becky Chambers puisqu'il sort en collector au mois de mars. Mais finalement, comme je l'ai glissé dans une autre catégorie, j'ai choisi de mettre Le cœur singulier de Millie Davis. Alors oui, c'est pas vraiment un collector parce que c'est l'édition classique, mais j'ai une petite dédicace de Mrs. Bookermon qui était, elle, en édition limitée au niveau des précommandes, donc je me dis que ça peut rentrer dedans. De toute façon, c'est le seul avec le Becky Chambers qui pourrait rentrer dans cette catégorie parce que j'ai pas tant que ça d'édition collector. Ah si, j'en ai un autre qui aurait pu rentrer, mais j'ai pas forcément envie de le lire maintenant. Bref, j'ai pas énormément de livres qui rentrent dans cette catégorie, donc j'y ai glissé celui-ci, surtout que j'ai très envie de le lire ces derniers temps, donc autant se faire plaisir. Ici, on est sur un livre un peu à la Dark Academia, mais pas en côté fantastique. Il n'y a pas de fantastique dedans, c'est juste, voilà, il y a cette ambiance écossaise et très Academia aussi, avec Millie Davis. Je crois qu'il y a du véganisme dedans, je sais plus trop, je suis nulle pour ça, mais je pense que vous l'avez vu passer aussi et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc on se donne rendez-vous pour le bilan de ce challenge et pour les points lecture entre deux, si jamais je le lis entre deux. Voilà, j'ai plus rien à dire, je crois que on a fini cette palle. Il y a pas mal de livres, il y en a vraiment beaucoup et je suis loin d'être sûre de pouvoir tous les lire, surtout que j'ai quelques SP qui vont arriver en cours de route qui ne sont pas dans cette palle et qui auront quand même priorité parce que bah voilà, je veux pas les laisser traîner trop longtemps. Donc soit j'arriverai à les glisser dans certains menus et à les changer avec d'autres livres, soit eh bien ça me fera prendre du retard sur ma palle de ce challenge, mais c'est pas grave. Pas de pression là-dessus, si jamais j'y arrive pas, c'est pas grave. Vraiment, j'avais envie de faire une page, j'avais envie de m'amuser et j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai quand même, bien entendu, de respecter un minimum, mais sans non plus être trop... voilà, trop carré. Faut quand même se faire plaisir dans la lecture. Hein. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge, si c'est le cas, si vous avez fait des pales, que ce soit sur Insta, sur YouTube. Je serais curieuse d'aller voir tout ça. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut !